Giants Gaming. Pour le match qu'on attendait, bien entendu, les Carmines qui vont venir affronter les Giants qui les attendaient tranquillement à leur position. Voilà, ils avaient un tour d'avance. Exactement, comme Navi un peu plus tôt. Et là, là les Carmines se sont sortis, hein, on s'en rappelle hier, d'un match très piégeux contre les BBL. Ils survivent un tour de plus et aujourd'hui, on a envie d'y croire en fait. Après ce qu'a montré Koi contre Navi, tu vois, le côté aussi un peu du le buff du on a déjà joué hier sur scène, on s'est réapproprié un peu cette ambiance là, la pression du tournoi, etc. Je pense que ça peut jouer en la faveur des Carmines pendant qu'on découvre eh bien, les vétos et ça commence par enlever Ascent du côté des Cassettes. Oh, Bind aussi. On retire la Bind pour les Giants. Ok, donc c'est vraiment une map qu'on veut bouder. Du coup, first pick côté Carmine qui sera du coup, bon, on l'a vu sur l'écran, sera la Pearl. Logique qu'on va commenter ensemble. Du coup, intéressant, j'aime bien parce que du coup, Carmine. First Big Pearl. Ouais, c'est pas souvent. C'est pas souvent, je suis d'accord, ça veut dire qu'on a on a des choses intéressantes. Je pense qu'il devrait sortir le Harbor vu que XMS a l'air d'être à l'aise avec. Split par contre choisi par les Legends, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu casser dessus, on sait qu'ils avaient tenté beaucoup de choses, notamment le Gecko et j'avoue que je suis curieux de voir la nouvelle évolution des compositions qu'ils vont peut-être pouvoir proposer. Ban Haven pour casser, malgré la bonne performance hier dessus. On va finir sur Ascent, du coup, un Decider, très bien. Non, Ascent, elle est un peu au début, donc qu'est-ce que... Oui, pardon. Lotus. C'est Lotus, pardon, j'avais pas vu. Lotus qui arrive, très bien. Ok, bah Pearl, en vrai, Pearl, j'essaie de me remémorer la dernière fois qu'on a vu casser dessus. J'ai l'impression que c'était il y a longtemps. Laisse-moi check tout ça. Donc au niveau des statistiques, Pearl est une des maps les moins jouées de casser. On parle de 4 fois, et la dernière fois, c'était contre Loud en Holokin. Donc, ça remonte, mais surtout ça veut dire qu'on va avoir globalement on va aller voir pour la première fois en Europe. De la saison en Europe, c'est ça. Donc en first pick, sachant que hier, je sais plus, je me souviens plus des bans hier face à BBL. Est-ce que c'est Carmine qui a ban la Pearl ou est-ce que je crois que c'était BBL pour la suite du Decider. En tout cas, Cassé avait enlevé Ascent encore une fois au tout début du veto. Ouais. Et là, ils font la même chose. Très bien, ça me va. En tout cas, à l'époque, c'était en février. C'était avec du Arbor Omen, du KO, Fade, Cypher. Ouais. On sait que c'est quand même une méta qui a un peu changé. Oui. C'est encore les débuts de Pearl à ce moment-là. Tout le monde n'avait pas vraiment stabilisé la méta. Et puis surtout, c'était leur composition sans dueliste. Ouais. Là maintenant, on est revenu au basique. C'est donc ça. En réalité, j'aimerais bien voir ce qu'on va nous proposer. Alors, Arbor pour XMS, Logic, Kidjoy pour Nivera, Phoenix pour Scream. On va avoir le Phoenix de sortie. Très bien. Excellent Zage sur la Sky et Shin qui, une nouvelle fois, nous montre tout son panel d'agents avec une... Ah, petite Astra, tranquille. Ok, alors du coup, c'est vrai qu'on a vu pas mal de Phoenix récemment, mais souvent en deuxième dueliste, il y a quand même une jet un peu de base. Et après, on a ajouté un Phoenix qui venait un peu remplacer les KO, ce genre de choses. Et c'est vrai que là, en solo dueliste, il n'y aura pas les dives, il n'y aura pas la prise d'espace, mais on sait que c'est un perso qui, sur la map, s'en sort quand même relativement bien. Ouais, clairement. Hein. Et du coup, en face, la Sky qu'on va retrouver, tout comme la Astra, on aura une jet par contre, côté Fitnew, logique. Hein, Il est très très fort sur son agent, Nuki qui passera sur le Cypher et Cloud bien entendu sur le Sova, homme à surveiller côté Giants bien entendu. Curieux de voir le Cypher, ça me rappelle un peu les compos d'Apex aussi, hein, où Magnum jouait sur un Cypher, je suis curieux de voir un peu ça. Enfin, Cypher très fort en réalité. C'est pas mal, il y a des caméras qui sont vraiment cool et en fait ça reste encore un de ces agents qu'on ne voit pas forcément souvent sur la map, même en équipe, et qui du coup peut profiter de l'effet de surprise, des traps, des fils de détente, donc à voir. Et j'aime bien l'association Arbor-Astra, c'est vrai que ça marche très bien, Astra sur la map c'est bien. C'est peut-être le meilleur contrôleur qu'on puisse avoir en réalité. En solo, c'est vraiment le meilleur. Attention par contre, Nuki, à pas mettre des cams buggy parce qu'on connaît la buglist de Cypher, elle est longue. Elle est très très longue. Les persos où les admins sont plus vigilants à chaque fois. Pour éviter les différents bugs abuse.
Ok, et curieux, mais donc on a une map de Pearl sans Viper. Exact. Donc c'est vrai que les options de post-plante sont un peu plus réduites pour les deux équipes. Avec le Cypher d'un côté, en fait, les Giants, avec leur compo, ils peuvent quasiment pas post-plante. Ils vont devoir se battre, je pense, ouais, ouais, aux avoir les shock darts, mais pas grand-chose, quoi. C'est ça, juste shock dart. Après, je pense que les deux équipes ne vont vraiment pas jouer post-plant. Ouais, en fait, on regarde, Nivera, il est sur la Killjoy. Il a des nanites, mais est-ce que les nanites vont pas plutôt servir à venir dézoner certains coins très importants, notamment on y pense au B hein, ouais, au niveau de l'elbow. Après c'est ce que Phoenix peut faire aussi hein, avec sa mono, bien sûr. Donc je sais pas. On va voir cette composition et comment les Français vont essayer de jouer un peu autour. Très bien. Les Franco-Belges pardon. Allez, la map commence, Giants qui fait son entrée dans le Last Stand Qualifier face à des Carmine qui ont survécu hier et qui peuvent y croire honnêtement. Et une map de Pearl, c'est ça qui est peut-être la plus grande surprise, on a des compos, on a des styles qui vont arriver. Eh ouais. Map de Pearl, pas joué depuis février, depuis les lock-in face à Loud. On se souvient de nombreux kills travers Smoke, moi c'est ce qui me revient en tête là tout de suite. Et Loud c'était régalé. Et le pistol qui va pouvoir débuter. Allez, mesdames et messieurs, Giants face à Carmine, c'est maintenant, on entre dans la game avec les Giants, on le rappelle, en défense, Carmine en attaque, Sheriff pour Nivera. La prise à main, flash et contre-flash à venir, c'était juste une information de la part de la Sky. Au final, c'est comme ça, on rend compte et c'est une fake smoke, voilà, qu'on va faire lâcher cette première ligne afin d'offrir l'orb, évidemment, pour le Phoenix. Ah ouais, hein, ultimate à 3, à 6, pardon. Ça va très très vite, tu prends un orb, tu prends un kill, t'as mort, c'était déjà la moitié. Et on voit par contre Nuki qui est en position avec la caméra qui ne sera pas repérée. Hein, faut faire attention parce que Scream justement lui il a été, ah il l'a vu, on va pour la détruire, ça c'est, c'est un bon move hein, côté Carmine. C'est clair, et ça trouver force, le ça setup force du Cypher, le détruire. Cloud il a envoyé une Recon, Screen en B, ouais. Directement en A. Ah, je suis content de retrouver Cloud en vrai, ah ouais. C'est le genre de Jens qui m'a manqué. Et donc attention, il reste déjà plus que 50 secondes et on n'a pas fait grand chose, ça va split le 1 hein, de toute évidence avec Arbor qui va pouvoir mettre une cascade au niveau du connecteur je présume sur la gauche des joueurs quand ils vont s'avancer et qui vont accélérer à partir du moment où le fil de détente va être révélé là. On y va au Wolf, le trap tu l'as dit a été détruit, la première nébuleuse qui va tomber et on va pouvoir clear la position hein, pour Zeich avec le Dogo. Maintenant on n'a plus qu'à aller amorcer, justement c'est Scream qui va s'en occuper. Bien. On va devoir jouer en retake hein, ici pour les Giants. Dans le dôme, c'est bien, en tout cas on fait l'effort voilà, de prendre les orbes sur le Phoenix. Un effort que les BBL n'ont pas fait beaucoup par exemple hier avec leurs différents agents. Et donc reprise à 4 par le spawn et 1 par le connecteur, il va être extrêmement lent Rhyme et son timing peut tout faire basculer sur cette fin de round. Ouais, et attention par contre, parce que il me semble, voilà, on a redétruit. Oh, attention, ici Scream, il va avoir un mauvais timing, mais ça passera. La revenge viendra de Woody. Shid en plus de ça, nickel sur Rhyme. On est totalement blind par contre du côté de Zeich, unlucky ici. Et Shid qui va être acculé par contre par deux joueurs, ça va très très vite côté Giants. On a déjà fait tomber trois joueurs, il ne reste qu'il se met au classique qui va casquer Cloud, mais ça ne sera pas suffisant. Woody à la diffuse. C'est dommage, ça commençait bien côté Carmine avec le kill de Scream malgré tout. Il est un peu en seul contre tous, il fait son 1 pour 1. On est surpris du coup Rhyme qui joue finalement un peu trop vite. Je pensais que c'était plutôt bien parti, mais la reprise Art, vous l'avez vu, à travers les smokes par Woody notamment, bien suivi par, par Nuki, ils se sont jamais arrêtés dans l'Art et ils ont absolument détruit tout le monde sur cette zone. La diffuse en 3v1 était plutôt facile face à XMS, ils ne pouvaient pas intervenir, là il n'y avait plus rien sur cette zone. C'est dommage, hein, on aurait peut-être dû essayer de se battre justement dans cette nébuleuse une fois qu'elle est tombée. Voilà, la reprise à 3 ensemble ouais, côté Terre, c'est quand même pas mal. 1-0 donc, Echo pour les casser. Et là, bon, il reste plus que 2 orbes pour Scream. On devrait surtout essayer d'avoir l'ulti pour le premier round armé. Ça va être la mission. Et on va commencer par aller prendre l'orbe de ce côté-là. Voilà, flash. On place Scream qui va jouer un peu à lame, voir s'il n'y a pas un petit truc qui dépasse pour remettre des coups de shérif. Ça a l'air d'aller. Et du coup, est-ce qu'on grid l'orbe? Je pense que ça va pas tarder. Ouais. Hein. Oh, Shin qui est tombé par contre hein, sur sa coupe au niveau du A. Fitinho qui a investi bien entendu sur le Marshall. Hein. L'orbe a été ramassé. Scream est au contact. Il entend Cloud qui saute, mais c'est surtout la caméra de Cypher que vous voyez au niveau de la hauteur qui va détecter l'avancée des joueurs. Le Phoenix. Et là, est-ce qu'on n'aurait pas un petit stuff là pour faire partir? Non. La Sky est très loin, elle est en train de reprendre le Heart hein, de son côté. On s'assure qu'il n'y a pas de lurker. Et on va essayer de passer tant bien que mal du côté de la Carmine. Attention aux fils de détente qui sont un peu partout. Et qu'il faut improviser. Voilà, on rentre dans le premier. Et c'est fait. Premier kill pour Nuki. Le deuxième, ça marche aussi. La reveal excellente. Et les cassés qui n'arrivent pas à s'installer sur le BPB. Ah, c'est vraiment compliqué. Hein. Après, c'est la force aussi de Cypher. Hein. T'es vraiment bien positionné. Et là, Scream n'arrivera pas à connecter sur Nuki qui va passer au classique et qui va remporter son duel aussi simple que ça.
perdra personne côté Giants, c'est plutôt nickel. Un peu insipide cet écho quoi, il se passe vraiment pas grand chose de dangereux. Je sais pas pourquoi les joueurs n'explosent pas d'un coup sur le site, n'essayent pas au moins de prendre d'assaut. Shin un peu trop rapide sur son extrémité, il se fait surprendre par la ligne bah justement qui avait réussi un peu à dézoner au pistol, c'est dommage. Bon, dans tous les cas, l'objectif c'était avant tout l'ulti de Scream, il l'a à disposition, maintenant il faut jouer dessus et mettre ce premier round. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer? On voit 3 nébuleuses disposées par Shin. On a un certain plan et par contre voilà, Yuki nous a proposé 3 setups différents au niveau de la défense avec son Cypher là. Changement de position de caméra, on est partout. Hein. Pour le coup, c'est vraiment pas mal. On va du coup envoyer les orbes pour notre cher Zeish, bien sûr. La caméra, par contre, elle est vraiment nickel là. Hein. Ok, intéressante. C'est la caméra qui fait le connecteur et la bilongue. On sent ce setup prêt à exploser sur le fil de détente. Fil de détente flash, décale probablement. Elle est cassée extrêmement lent. Comme d'habitude, hein, c'est autour de 1 minute qu'on commence un peu à s'avancer. Et quand on voit le spike côté A, on sent que c'est quoi, présence double porte ou split A direct. Split A direct, j'ai l'impression. Ok. Ouais, encore une fois. Hein. Mais par contre, cette fois-ci, voilà, c'est XMS qui a le spike. Et voilà. On a envoyé, bien entendu, le Dogo. Par contre, attention à la flash, on décide de sortir ici. Ça part en faveur des Giants, on a plus de balles du côté de Scream. Zeish tout de même aura la revenge de son coéquipier tombé, 4 contre 4 à suivre. Il n'y a plus d'ultimate, du coup il va falloir passer sur ce BP où il reste encore Rhyme au niveau du backside qui attend sagement, il esquive la flash et il tient au niveau du duel contre Zeish. Il va pouvoir mettre un peu son contre-stuff, le dôme est passé et Rhyme qui enchaîne et fait tomber le spike, c'est enfin trade par Scream qui fake l'amorçage. Il attend son frère qui se rapproche, Nivera au niveau de l'arc, Nivera important remporté, Nivera qui enchaîne. Et là c'est le timing de Nuki dans le dos, il sait que le Phoenix est en train de planter et il entend Nivera. Il a les deux infos, le joueur lituanien qui va aller courir sur Scream et s'offrir un 1v1. Heureusement, Nivera s'impose. Allez, il faut rentrer dedans pour la Carmine, vraiment pas simple là. Le setup de réception de GN c'était bon hein, quand même. Hein. C'est clair. Ils ont pas tellement eu souffert de l'ulti Phoenix. Hein, oh, la flash elle est vraiment parfaite. Hein. Ouais, que 3 joueurs en même temps. Hein. On avait vu par au-dessus de la caisse. Ça a l'air d'être sympathique. Et Rhyme, quel travail de fixe BP de Rhyme. Hein. Sans lui, le round est impossible. Mm. Et Nuki joue vraiment bien aussi son clutch. On allait se mettre à couvert en décalant large, le plus large possible pour pas se faire trade immédiatement par le main. Mais Nivera, comme d'hab, c'est la valeur sûre, il tient la baraque. Attention par contre, on a perdu 4 rounds, donc il faut être solide dans ce nouveau round. Prise rapide du main, flash contre flash. Et l'orbe, encore une fois, Scream qui a 2 points de son ultimate. Ça peut aller très très vite. Ouais, hein, parce que là, il va récupérer un nouvel orbe. S'il prend un kill, on peut directement partir sur une revanche. Hein. Mais c'est bon, le premier temps a été envoyé. On va faire bobber, je pense. Ils vont pas se prendre la tête. C'est vrai. Le spike, c'est quand même délicat à amorcer à chaque fois. Tu peux pas le garantir, mais l'orbe B... Ça fait grave, surtout qu'au final le Cypher conteste très peu pour le moment. On pourrait avoir des contestations de la bilongue plus tard. Mais là, Cassis sont en train de faire le bon call. Aller chercher cette orbe et faire une exec B sur un site où il n'y a rien en plus. Il n'y a pas de trap, il n'y a rien. C'est vraiment une retake directement proposée par les Giants. On les a vus au pistol, la retake en A était franchement clean. A voir maintenant ce qu'ils vont nous proposer au niveau de la retake en B. Allez, des coups d'épaule, pas de sniper pour le moment. Fake smoke. On rentre à l'intérieur, on passe vers le screen, il n'y a personne. Et on avance, allez, l'orbe pour le Phoenix. Et du coup, déjà un deuxième ulti, deux ultis en deux rounds. C'est pas mal. Pas mal, hein. En même temps, il a fait les kills, Scream. Et ils sont là, les Giants. Ils sont là, la triple rotation. Il part et déjà, il est pop. On va ignorer le dog de Sky. Et il s'est tenu derrière. Donc, il se rate. C'est bien. Avantage numérique pour les casters. Et c'est Cloud qui permet au timing qui spread transfert sur les deux joueurs. Léger avantage, c'est un 2v3. Ouais, il a pris 2 kills là. Hein. Ça va pas être simple parce que Scream il a même plus de stuff. Attention par contre, la fake de la vague, ça passera pas face à Cloud. Deuxième kill hein, pour le Sova russe. Et on n'arrivera pas à connecter. Triple kill de Cloud. Troisième point pour Giant. On arrive une nouvelle fois à nullifier l'ultimate de Scream. Ouais, ouais, il a bien joué hein, Fitino, en allant tout de suite se focus sur le Phoenix. Mmh. En ignorant le dog. Ça avait été très tant bien que mal. Mais après, c'est Cloud, hein, Cloud qui attire l'attention. Nuki qui décale sur le timing et c'est en fait une reveal, on le devine maintenant, une reveal et la décale de Nuki qui fait un très bon spray Vandal. Scream en 2v3, il doit tenter quelque chose, il tente au niveau du connecteur de jeu le fade et ça ne passe pas du tout. Giants plutôt serein dans ce début de Pearl, il faut le dire. Je crois que c'est la deuxième fois qu'il envoie cette reveal hein. Ouais, ouais.
avec Nuki, ils font franchement un bon duo au niveau du B. Hein. C'est clair. Et sans piège, en fait, sans traquenard. Mm-hmm. Genre juste aux capacités, en réaction par rapport à la reveal, c'est très fort. Et là, par contre, on a mis des trappes sur le B. Et vous le voyez, les Carmine s'avancent. Ils vont faire la classique. Ça commence par la cascade pour se mettre derrière. Toujours l'orbe pour le phoenix. C'est une économie avec beaucoup de shérifs. Les joueurs vont essayer d'avancer sur le site B. Pas de leur cœur. Ils sont en 5-0, les Carmine. Ouais, par contre, du coup, on prend pas mal d'infos sonores pour Nuki. Hein. Ouais. Il détruit certes la caméra, mais il a entendu du monde sauter. Voilà, les nébuleuses vont tomber. Il a un peu raté la cam. Là, il est censé avoir une info plus profonde d'ailleurs que ça. Et bon, l'info sonore suivie, comme tu l'as dit. On dézone derrière le screen, c'est très moyen. Il y a encore plein de possibilités de positionnement derrière. Le drone a vu quasiment tout le monde et c'est au final sur la division cosmique qu'ils vont tenter d'y aller. Bon, attention, on a cross, hein. On a cross ici pour Cloud. Là, il va en prendre un, mais il va se faire coucher par XMS. Attention, XMS, le double kill. Accompagné en plus de ça par Scream. Et là, c'est un 1 contre 2 à négocier. Scream, est-ce qu'il peut le faire? 12 HP. Ouais, il va essayer de se soigner peut-être. 12 HP en effet. Rem qui va juste patienter. Et voilà, le soin. On reste dans le corner. Mais est-ce que c'est entendu par Rem? Est-ce qu'on entend les flammes? Est-ce qu'on pourrait pas du coup essayer de pré-fire, d'achever le travail? Le pur 1v1 ici. Entre les deux leaders de leurs équipes respectives. Et il a fait le timing, la scream pas mal, il est passé. Rhyme a l'air d'en être conscient. Ça n'empêche pas que c'est un jeu de timing. La décale est bonne du coup pour Rhyme qui s'impose dans ce clutch. Ouais, la fantôme. Clairement, clairement la fantôme. Et on s'est fait peur. Voilà, encore une fois, les Carmine qui commencent à être un poil plus dangereux quand même. Ouais. Hein. C'est ça, voilà, c'est des gros trade kills. Ils adorent hein, les bagarres comme ça, hostiles. Avec leur shérif, ils étaient franchement pas loin de l'écho. Et on sent hein, les Giants par contre qui. Pareil, ils veulent pas laisser quoi. Ok, vous êtes en écho, on vous laissera pas à planter. Ouais. On traverse tous, on n'hésite pas à se taper. Ça risque d'être un vrai. Comment dire. Un vrai tour de force. Un vrai bras de fer entre les deux équipes jusqu'au bout. Dernier tour. L'orbe, hein, troisième ulti qui arrive, il avait pas besoin de prendre l'orbe. L'ouverture de Scream sur une simple flash, puis du chasseur pour intervenir et on perdra XNS dans l'équation. Il avait son ultimate, c'est un peu dommage. 4-4. Il s'est pris full les stun, hein. Le pauvre il pouvait pas faire grand chose malheureusement, mais Zej, voilà, belle couverture ici. Hein. Son capitaine. Allez, on a envoyé les trackers, on peut accélérer pour Scream. Il y a qu'on smoke et du coup on va aller chercher au niveau de la flower. On suit les trackers et on essaie d'aller chercher Cloud qui se prend de gros dégâts à travers mais qui survivra à ce contact. Nivera plante et Nivera va avoir du mal à s'extraire de sa position je pense. Ah, c'est bonne Molly et en plus ça voilà, Nivera tombera mais la revenge viendra de son frère. On a encore le dogo, on est bien pour la Carmine là. En ouais. Réalité on est vraiment bien. Ils vont avoir probablement une étoile côté Chine pour pouvoir post-plante un peu. Plus l'avantage numérique, c'est pas mal là, c'est pas mal. Là. Ok, Zej par contre il prendra pas mal de dégâts, on veut aller chercher, voilà Scream est tombé par contre. Hein. Et là il faut jouer ensemble hein, pour la Carmine, il faut jouer ensemble malheureusement, Zej va décaler tout seul. Shin était totalement blind. Et ils savent maintenant qu'il est dans la longue, Shin en 1v2 et c'est encore Udi qui doit essayer de couvrir son coéquipier. Cloud qui arrête la diffuse et Shin qui clutch avec des très bons coups d'épaule, il ne se commit pas dans ses fights. Et il assure enfin un clutch et un round pour Carmine. Allez, ça part de là. Et comme Rune, on revoit les contestations dans la main. L'amorçage du Spike qui finalement se pose plante avec Uzi hein, qui esquive les flashs, qui est très rapide dans ses duels. Machine invisible jusqu'au bout, qui clutch, voilà, c'est bien. Le sang-froid du rookie de chez Carmine. Et maintenant, comme d'hab, il faut enchaîner. Hein. En ayant perdu tous les joueurs, il faut absolument enchaîner les runes. Pas d'autres options pour les Carmine. En plus, quand même, sur deux rounds, on perd pas mal d'armes hein, côté Giants. La première fois, il en reste plus qu'un. Donc, on perd 4 armes. Et là, on a perdu les 5. Donc, d'un point de vue économique, c'est assez compliqué. Ouais, c'est la bagarre encore. Et d'ailleurs, ils sont en light buy. Hein. Ouais. Deux chiens qui marchent. Ok, j'avais pas forcément vu ça. Et, mais en réalité, on pourrait aller chercher la tempête de la main pour Fitinho. Je crois que c'est ce qu'ils aimeraient faire peut-être. Ouh. Et il est passé, Scream. Il a entendu qu'il y avait du bruit et main. Et pour l'instant, il y a quand même Udi qui regarde derrière. Attention. Ouais. Et ils y vont, ça marche jusqu'au bout. Le contact qui va arriver, Udi contre Scream pour lancer les hostilités sur ce round numéro 7. C'est parti, il se jauge, c'est tout. Et on met le ok. Et il faut commit hein, là pour. Oh, attention, le one tap ici trouvé par Fitinho, il va même débloquer la tempête de l'âme, il va décider même potentiellement d'accélérer. Là, il va être stun. Et là, il faut accélérer hein, pour Scream et ses coéquipiers. Mais ça passera pas, Udi sur le double kill. Et on est totalement bloqué. Il fait une game de fou et là Fitinho qui était prêt à grid, bah, au final il va surtout aller chercher une arme je pense. Enfin, c'est déjà le cas, il a déjà une vandale qu'il porte sur les épaules.
L'écho Lightbike est en train de passer pour les Giants, sauf si on arrive à compenser pour Nivera et XMS. XMS est très proche et je pense qu'il est un peu négligé, mais au final on abandonne le main. Allez-y, reprenez la zone, l'avantage numérique est conséquent, les armes ramassées font plaisir. Giants qui s'agit au meilleur des timings, je pense. Ouais, Cloud il a vraiment une bonne position, il reste 13 secondes. Ça va save. On va juste save. Ouais, ça a rien passé dans le round quoi, ça a marché hard. On a tenté de prendre le A en étau et les Giants sont juste magnifiquement tenus avec un hoodie, je tiens à le dire, qui est vraiment dans sa vie. Voilà, reveal et tout de suite on va chercher XMS, on n'arrivera même pas à sauvegarder les armes. Nivera qui fait au moins 2 kills, le troisième c'est trade tout de même, le résultat est là, Giants était en light buy, ils mettent le rune et ils font tomber toutes les armes des Garmin Corp. C'est parfait pour eux. Clairement, et du coup bah on a vu hein, pause tactique directement envoyée. L'ouverture de société, Woody, il prend même pas une balle. Il ne prend même pas une balle, il tue tout le monde. Et seul Nivera, voilà, se régalera, mais c'est trop tard évidemment. Ce sont des kills, certes, mais l'impact qu'ils ont est minime. Si ce n'est sur les colonies. Time out pour Carmine, tu le disais. Et là, je sais pas trop quoi dire. En fait, on retombe sur mon analyse que je pouvais avoir sur la fin du. Comment dire, la fin de leur saison, quoi. C'est-à-dire que hier, on avait l'aspect outsider, tu vois. On est outsider, on tente des choses, c'est surprenant, c'est un peu maladroit parfois, mais au moins on tente des choses. Là, je les trouve un peu amorphes et très scolaires, en fait, les cassés. Et pour moi, ça va à l'encontre de ce statut d'outsider qu'ils ont encore dans ce match. Je trouve ça dommage de ne pas les voir plus explosifs, plus fous, plus chaotiques, quoi. Ouais, hein, peut-être même trop scolaires. Je pense qu'on peut le dire, hein. Bah, hier, on se faisait plaisir. Il y avait quand même des dingueries hier, tu vois, ils tentaient, des reprises d'infos, des mouvements, mais des rotations. Mais ils s'amusaient, je pense, presque peut-être, bon, il faut, plus, faut rentrer dedans, là. C'est un peu différent. Ouais. En tout cas, avant de voir peut-être ce qu'ils ont derrière la tête, il faudra encore faire une économie. Nivera a une arme, grâce au kill probablement qu'il a pu faire à la fin, qui ont dû le remplir la banque, et son confinement aussi. Et on va jouer très simple, et peut-être plus rapide, voilà. Plus chaotique dans ce main, flash contre flash, on a pris position de la zone et de l'orme. Et là c'est quoi, confinement, on tenterait ou pas? Non. Écoute, même pas, on a fait fake, je pense. On a fait la même chose que sur les rounds précédents. Je pense qu'ils vont laisser Nivera, fake le A au confinement, et peut-être essayer de passer B ou connector. On verra. Le vilain setup. C'est le même hein, qui est proposé par les Giants. Ouais, mais j'aime pas cette caméra. C'est pas la bonne caméra qui permet de voir profond dans le B-Main. Donc je sais pas, c'est un peu bizarre. Je vais être chiant avec ça. Ouais, mais est-ce que l'autre n'est pas interdite? Bah, je sais pas, Apex l'a utilisé pendant toute l'ascension. Donc je pense que c'est good. Et voilà, c'est pas vraiment un fake. C'est plus un confinement pour essayer de faire bouger les joueurs dans le crosshair des Carmines qui sont ici du côté de l'art et qui accélèrent. Le dock qui passe en dessous le trap, on rentrera dedans. Voilà, on commence déjà à perdre beaucoup de temps sur ce passage. Mais les joueurs ont dû laisser la zone et on peut du coup passer et planter ce spike. Ouais, c'est l'avantage. En plus de ça, la Molly est bonne hein, du côté de Scream. On va pouvoir se replacer. Maintenant, il faut garder cette art et attention à ne pas se faire avoir sur la reprise des Giants. On les avait vus extrêmement incisifs. Et là, Cloud, oh, il joue au contact. Cloud, il est vraiment bien. Je suis même pas sûr qu'on l'attende. Hein. Encore une fois, c'est une histoire de timing. Il faut qu'il soit lent. Et au final, il a attendu. Il a mis du temps avant d'ajuster. Ne se prendra que 2 balles de la part de Scream. Le drone, le contact, essaie de courir dessus pendant l'animation. Mais Cloud qui tient magnifiquement. Il a encore un V1 contre XMS qui le couche enfin. Mais pour l'instant, on diffuse. Le post planté là, l'attract qui empêchera Reim de faire la moitié. On va chercher XMS qui s'impose avec sa vandale. Reim, dans un second temps, c'est couvert par Fitinho. Il faut aller trouver ce joueur qui désamorce, mais les joueurs sont hors de position et c'est même pas particulièrement planté pour eux, si légèrement, mais Giants couvre à la perfection cette fin de round. Ouais. Finn qui est arrivé un peu tardivement quoi. Malheureusement, alors est-ce qu'il a voulu repasser par il était loin dans l'art hein. Malheureusement on peut pas faire grand chose là, encore une fois la reprise Giants elle est nickel hein. Cloud qui récupère 2 kills assez gratuitement. Cloud solide, ouais. Il est vraiment fort. Alors c'est l'entier coup, mais c'est pas mal ce que tente Zay. Je vais courir dessus pour le déborder pendant le drone. Bien sûr. Et il est juste, il ne tremble pas, quoi, à peine. Il y a toujours la classique au niveau du A-Main. Pour aller prendre l'orbe. Ça va être le troisième ulti de Scream. Quatrième ? Quatrième. C'est pas mal en vrai. Ils font bien staff en tout cas au niveau des orbes, amorçage et les kills évidemment de Scream. Ça c'est vraiment admirable, mais on sent que l'ulti n'a pas l'impact espéré quoi. On en a eu 4, à quel moment est-ce qu'il y a eu l'ouverture, la surprise, l'espace? C'est ça le truc, hein. C'est que ça reste un phénix. C'est pas une jet qui va dash et d'un coup être au contact des adversaires. C'est pas une raise qui va double satchel. Le phénix doit courir comme il peut.
Et c'est ce qui, je trouve, gêne un peu l'explosivité et le, tu vois, l'effet de surprise. Ah, c'est pour ça qu'il est épaulé habituellement par une jet. Hein. C'est ça. D'habitude, c'est du double dueliste. Le solo Phoenix, c'est beaucoup trop court. Et on réinsiste sur cette art encore avec cette ulti. Allez, on casse le fil. On va essayer de prendre l'espace. Le stun va déjà retarder personne en vrai. On n'a pas, été touché. Il prend juste. Voilà, c'est une info. C'est un drone. Il n'y a personne backside. On peut planter. Ouais. Et encore une fois. C'est un speed hack qui est proposé, mais voilà le retour ici de Rhyme hein, très très tôt. Nivera par contre aura la revenge, il y a les trackers, il faut gagner un petit peu de temps ici, il va être croqué, en plus de ça il est repéré. Hein. Et il va se faire aligner au travers de la caisse, est-ce qu'il peut remporter ce duel? Non, ce sera pas le cas, que Shin pour avoir la revenge, oui. Et c'est un 3 contre 3 à négocier, ouais. Fitinho à l'opérateur par contre attention. Ouais, c'est bien qu'ils aient fait tomber la, le Rhyme, il n'y aura pas de division cosmique, on se trade encore une fois, 2 pour 2. Et on ne touche plus ce spike, donc il faudrait le faire. Cloud qui tente, la smoke le protège, la reveal donne une info, il a fait la moitié désormais. Attention, Archzage qui va essayer de punir, c'est fait. Il enchaîne, on va juste attendre que ça touche le spike. Fitino qui va tenter peut-être d'arracher tout ça. Il peut diffuser, esquive, 19 points de vie et il fait la diffuse sans trembler. Un rune volé par Fitino qui sait exactement ce qu'il peut faire. Ah là là là. Non. Pas comme ça, pas comme ça. 19 points de vie. Deux joueurs capables de lui tirer dessus et je crois qu'il se prend une balle ou deux. Et pourtant vraiment pour moi le kill là, le fait que Rhyme tombe c'est parfait parce qu'il y avait la division cosmique. Oui. Et avec la division cosmique honnêtement le rune était plié donc c'était plus que jouable. Zeiss fait son travail et là sur le 1v2, 19 points de vie à une balle. Je crois qu'il n'avait plus trop de balles dans le chargeur, je pense qu'il tire, il touche pas, il switch au classique, c'est trop tard. La moitié avait été faite par Cloud. Et encore une fois, hein, ces flash, ces smoke de jet, hein, une smoke de jet permet de faire la moitié en étant cover. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Lucide là-dessus, Fitinho. Ouais, clairement. Et on veut encore aller jouer au niveau de cette art. Cependant, il y a double trap en réception hein, du côté de Nuki. Je me demande si on n'a pas fait un petit pari justement split B. Alors que c'est l'inverse, du coup on y va full estro, mais voilà, la Recon qui va repérer tout le monde au niveau de ce main. Oh, peut-être pas, si. Oh, pas du tout. On est parti à détruire. Hein. Ouais, c'est bien qu'on soit déjà en train de mettre pression. Ah, on accélère un peu le mouvement, Division Cosmic backside. Et là, ce serait bien de rester sous le site, peut-être. Un peu. Il n'y a pas de faux là. Hein. En face. Et on sent que jouer de loin, c'est pas forcément ce qu'il réussit à casser. C'est encore le même genre de post-plant. Hein. Deux hard, trois main. On ajoute des ultis, hein, la Division Cosmic, puis maintenant les trackers pour essayer de temporiser. Et Giants qui va essayer de reproduire une fois de plus l'exercice de la retake. Ouais, malheureusement Scream il est un petit peu tout seul, tout le monde joue. Allez c'est bon, on décide de rentrer du côté de la Carmine, on est repéré par le trap là. Oh XMS il va réussir à s'en sortir et la sortie de Rhyme, très très bon timing sur Nivera, on continue hein. Shin tout de même le double kill, est-ce qu'il peut continuer à aligner? Non ça passera pas face à Audi. Nuki au contact du mur, on va commencer à, on commence à désamorcer. Oh ouais, ça désamorce et la fin de la division, on traverse pour Nuki et c'est trade par Rhyme. Ils sont imprenables dans les retakes jusqu'à maintenant. Franchement ils savent exactement quoi faire et on sent que les cassés ils réagissent, ils savent qu'il y a la division cosmique depuis le début. Et là il n'y a que Scream qui est sur le BP, les autres sont trop loin pour le follow. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde sur les fins de round et c'est ça qui pêche pour le moment. C'est... Je te sens abasourdi. Bah... Parle-nous là. On n'est pas ensemble côté Carmine, c'est... Et c'est franchement embêtant. C'est franchement embêtant parce que les Giants, ce qu'ils font, c'est ils ont pas réinventé le jeu. Ils ont pas inventé Pearl, ils ont pas inventé Valorant. Ils jouent juste ensemble et c'est frustrant parce que franchement hier, le BO d'hier nous a, moi, j'ai été, tu vois, un petit peu, on m'a vendu quelque chose. J'ai senti, tu vois, j'ai été un petit peu envoûté par la Carmine et là malheureusement, ouais. bah c'est vrai que c'est un peu vide en fait. On a la surprise de la compo, on a la surprise de la map, mais on n'a pas la surprise in-game des stratégies ou du voilà du petit truc en plus quoi. Là depuis tout à l'heure c'est que du A split. Tout j'ai bien l'impression que dans ce round 11 on va avoir le droit à quoi? À du A split avec le trap qui va gagner un peu de temps et une retake des Giants encore et toujours. Le scénario se répète et on n'a pas travaillé toute la map quoi, j'ai l'impression. Bah on n'est jamais allé Belink. Ouais c'est vrai. Allez encore le trap qui touche, ça fait perdre du temps. Il y a un pool. L'ulti d'Arbor pour passer sur le BP. Encore une fois, les Giants s'en foutent. Hein. Ils sont tellement forts en retake depuis tout à l'heure. C'est allez-y, plantez, on va vouloir refaire le même coup. Oh. Ouais, on détruit le trap cette fois-ci. Ok, très bien. Bon, on n'a pas d'ultimate retake hein, tout de même pour Giants. Sauf si Cloud prend un kill et envoie une fureur de chasseur, même si bon,
je n'y crois pas. Oh, attention XMS, voilà, il va chercher un kill XMS. Bah voilà, on est agressif du côté de la Carmine, ça commence à passer, il n'arrivera pas à aligner 3, mais c'est déjà 2, c'est suffisant. Il offre la supériorité numérique au Carmine. Imaginez s'il serait suivi, si on faisait un truc autour de sa position pour aller attaquer, reprendre une de ses zones, ça pourrait aller plus loin. Icecream, de son côté, il est solide aussi. Il est trade par Nuki désormais, et là par contre vous allez smoker, voilà la première smoke, mais on ne fera pas la moitié pour Nuki car il y a un pool de Shin qui a surplanté le post-plant, coup sniper raté, le 1v1 perdu, et Vitino n'y arrivera pas, enfin Cassé qui retrouve un petit rune. Voilà, on se bat, c'est tout en fait, on se bat, on empêche, en fait c'est simple, si tu laisses les mecs, du coup l'équipe adverse jouer en retake, bah tu vas subir. Tu les empêches de subir, bah ça passe, et là on voit, hein, XMS il va se battre tout seul. Voilà, il faut XMS, s'il n'y a pas XMS, c'est quasiment la même chose qui allait se passer. Il faut les gêner dans la retake le plus haut possible, les surprendre. Là on est très sage, hein, à chaque fois c'est main et art. Jamais on fait main plus backside secret, jamais on essaie d'aller tester un peu le flower. Oui. Il n'y a pas de contre-temps pour flank dans le dos, genre, je sais pas. On est vraiment trop simple peut-être dans cette attaque, mais il ne reste déjà plus qu'un rune à effectuer pour la casser. Et c'est l'orbe évidemment pour un quoi, 45ème multi de Phoenix. Ouais, c'est facilement le 10ème. Hein. Facilement le 33, il faut la compter, les comptes sont bons. Non, sérieusement, c'est quoi, c'est 5? Je crois que c'est le 5ème. Ouais. Pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal. Hein. Et on va repartir sur un A-split néanmoins. On n'est pas naïf, hein. Pour les Giants, cette fois-ci, on va renforcer un petit peu ce A avec Vitinho qui a la tempête de l'âme activée. Attention, d'autant plus qu'il faut rajouter quelque chose, c'est que Cloud a la fureur de chasseur. Ouais. Et habituellement, Cloud a la fureur de chasseur, ça fait très très mal. C'est ça, surtout que Nivera n'a pas de confinement, donc il peut vraiment s'en servir pour empêcher l'amorçage, pour faire des kills. Allez, la flash de Sky qui détecte la présence d'Art. On a fait une présence double porte pour la première fois avec un doc, du coup, de Zeish. Et maintenant, c'est encore le finish. Oh. Il va sortir, hein. Voilà, il a détruit la caméra, c'est parfait. On brouille un peu les pistes, on voit, hein, directement Oudi, il est obligé d'aller prendre l'information au niveau du Y. Et là, on va accélérer pour Scream justement au niveau de ce site A, hein, comme d'habitude. Exactement, est-ce qu'il pourra faire un petit quelque chose? La flash, ça traverse. Oh, il prend le kill quand même, voilà. Enfin, un ulti qui permet de prendre un kill et donc pas mal d'espace. Sur l'arme de la fureur du chasseur, on l'a entendu, ça a touché Zeish. Ce sera tout. Amorçage pour XMS et on se replie. Ouais, XMS qui n'a forcément bien entendu pas son ultimate, mais Nivera est à l'opérateur. Attention tout de même, on a encore deux nébuleuses à disposition du côté de Rhyme. On a déjà le pool qui est prêt pour Shin. Oui. Et là, la perspective pour Nuki qui voit Nivera dépasser. C'est un premier kill qui fait un peu mal là sur le 4v4. On enchaîne avec une bonne flash au niveau de l'art. Ils vont chercher la position de Zeish qui se fait double décalé. Ils sont plus qu'au niveau du main maintenant, les Carmine. Pour ce 2v4, ça touche le spike. Et à travers la smoke, il n'aura même pas le temps de faire son poulet sur la spoil. Il en fait un plus, XMS. Il essaye tant bien que mal. Mais une fois de plus, la retake passe pour Giants. Ils ont rentré 90% des retakes en A. Franchement, ouais. C'est admirable. C'est solide, hein. Mais ils ont tout l'espace, hein, encore une fois. Et en une seconde, ils comprennent qu'il n'y a personne de BP. Et après, ils savent y faire, quoi. Ils savent être patients, voilà, au niveau du déconnecteur pour arriver à art. Ils vont chercher d'abord le art, puis ils gèrent le main. Ils sont très méthodiques. Ils se suivent, hein. Franchement, on a toujours deux ou trois joueurs qui sont vraiment l'un derrière l'autre. Et puis les duos, hein. Décalés. Tu vois, on a des duos qui jouent vraisemblablement vraiment ensemble. On a Nuki et Cloud, ils se sont jamais lâchés. Ouais. Ça joue très bien ensemble. Ils ont une vraie synergie. Ça se voit qu'ils ont découpé la carte en fait. Ça se voit qu'ils ont fait 45 duos ranked ensemble et que maintenant ils sont chauds. Et oui, tu as raison, hein. C'est vrai qu'on a un binôme d'un côté, un trinôme de l'autre. En fait, il y en a un qui se balade tout le temps. Et c'est souvent Vitinho, bah forcément, on lui met l'opérateur en défense, il va se balader, mettre un peu de pression un peu partout. Mais voilà, globalement, la carte a été coupée en deux. On a. Vu bah, la plupart du temps, bien entendu, parce que certes, Nuki, on le voit à l'écran, hein, il a joué assez souvent aussi en A, mais franchement, t'as l'impression que pour Pearl, ils ont juste dit, bah on coupe la carte en deux, et puis, y en a qui se baladent un peu en essuie-glace, mais voilà, sinon c'est vraiment cette zone-là. J'ai l'impression qu'ils étaient en mode, bah allez-y, plantez le spike. Allez-y. Bien sûr. À part le B-main qui a été un tout petit peu défendu avec voilà, les reveals, les traversées d'Ulti Astra, les décals backside, etc. À part ça, en A, on s'est battu un tout petit peu pour le main au début, puis après, vas-y, backside, venez, plantez ce spike, on va reprendre encore. C'est en ça que c'est trop fort, ça va. De n'importe où, quelle que soit ta position sur la carte, tu peux envoyer une recon pour venir casser un timing ou en fait, surtout, semer le doute. Tu reçois une recon, tu te dis, le sauva, il est où? Et en fait, il est totalement à l'opposé, pas de problème. Tu perds pas de. T'as pas
En fait, c'est l'impression limite Cloud il joue comme s'il joue Astra, tu vois. C'est vrai qu'au niveau des infos, ils sont bien quoi. Ils ont Sky, Sova. Sky c'est vraiment des infos courte distance, on va dire, voire même un peu vague avec la flash. Et Sova c'est plus des infos précises et longue distance, avec notamment le drone qui a une portée infinie, enfin qui voit, on va dire, de manière infinie. Oui, c'est ça. Ouais. La différence du drone et la flash, comme je l'ai expliqué, qui peut être envoyée de l'autre côté de la map. Donc c'est vrai que l'un plus l'autre, bah, c'est aussi ce qui leur a permis d'avoir une excellente lecture. Ils n'ont jamais eu peur des infiltrations double porte, n'a jamais eu de toute manière. Il y a une fois où Shin a essayé de lurk extrémité, il a été attendu, c'était en anti-écho, deuxième round. Mais tu vois, à aucun moment on a eu un lurker, une redirection, un point d'appui, un fake. Est-ce qu'il y a eu un fake? Non, même pas. Pas une fois. On n'a pas eu d'aggro Bellink hein, également. Hein. On a mis des nébuleuses côté Shin pour semer le doute. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que bah, t'as la caméra Nuki, il voit tout. Hein. Smoke ou pas smoke, il voit tout. C'est vrai que là, il y avait un plan de jeu qui était quand même assez clair, avec d'abord un peu de B, genre très timidement, une ou deux fois. Et puis du A en split par le main, avec un ulti d'Arbor, parfois avec un ulti de Phoenix, parfois avec un ulti d'Astra. Mais c'est vrai que c'est très répétitif. Multi de Phoenix tous les deux rounds. Ça c'est quand même ouf. Ça c'est un truc qu'on peut pas leur enlever, c'est qu'au niveau du dueliste, des orbes, des amorçages, ils ont vraiment fait tout ce qu'il fallait pour que Scream ait un maximum d'ultimate. Je pense que c'est difficile de faire mieux que ça. Mais on voit que bah ça ne suffit pas. C'est pas une ouverture franche de jets, c'est pas une prise d'espace suffisante, parce que ouais, le Scream, enfin le Phoenix doit revenir en arrière, perdre l'espace perdu, et ça on sent que c'est vraiment un truc qui leur a fait du mal quoi. Alors vraiment explosé en A5, bah on l'a vu quoi au pistol et c'est tout. Ouais, en gros quoi. Malheureusement. Bon alors, vous en doutez, petite pause technique. Ouais, problème de connexion a priori sur place. Le temps que ça soit résolu et qu'on enchaîne sur cette première map dominée pour l'instant par les Giants, alors que ce n'est pas leur choix. Ils ont été en réception d'abord sur cette défense et franchement la force tranquille, juste des bonnes retakes, du bon teamplay, quelques clutches qui font du bien, on pense à celui de Rhyme, on pense à celui de Fitino plus Cloud en 2v4 je crois, en 2v3. Il y a quand même comme ça des petits exploits individuels. Mais en vrai c'est quand même une performance collective qui est proposée. Il y a une classe d'écart pour le moment entre les deux équipes. Voilà. Ouais hein, je te rejoins là-dessus. C'est pas le visage qu'on aimerait voir hein, tout simplement de la Carmine, tandis que bah forcément dans le public vous voyez CEO du Blue Wall. Vous inquiétez pas, la pause est terminée, on va rentrer, voilà c'est live time, on va pouvoir rentrer en game d'ici quelques instants avec le side défensif cette fois-ci de la Carmine. Comment est-ce qu'on va jouer autour de ce Arbor et de ce Phoenix? Est-ce qu'on va avoir l'agressivité? J'aimerais bien. Ouais, bah, prise de zone. Pas avoir trop le choix, je pense. De toute façon, on sait qu'à un moment donné, si on arrive à engendrer des rounds pour la Carmine, on aura un opérateur sur l'univers. Alors, ça commence par la prise du main avec un drone. On n'hésite pas à mettre le drone première seconde. La flash décale et au final, les joueurs sont impossibles à punir pour le moment, tous derrière un mur. Mm-hmm. Et du coup, la première tentative d'agression, elle est déjà terminée. Irraté. Ah, j'ai l'impression ils s'y attendaient. Hein. Ils ont compris. On tente quand même hein, pour stream les petits travers. Passera pas. Ouais. On est encore un peu pas naïf sur une potentielle retake. On fait que le lorb pour voir s'il n'y a pas encore une petite flash qui pourrait partir. Que ce soit de Zeich ou de Scream. Et au final, c'est ramassé par Nuki. Ouais. Par Cypher. Pourquoi pas? Non, pourquoi? Spécial. Je comprends pas, mais non, admettons. Peut-être qu'il y a un plan de jeu. Vol neural très très tôt pour le bonus. Mais il faut un open kill pour le Volner. Alors on verra. Dans tous les cas, les Giants se sont dit, putain, en fait, le A en split, c'est vrai que ça a l'air de plutôt bien passer. C'est pas mal en vrai. On aurait pas un amorçage gratos. Attention, backset, on a vu du coup Shin. C'était stop. Oh, il est dans le pool. Okay. Malgré tout, ce Pitino. On traverse du coup les smoke backside pour aller essayer qu'on se battre. Shin qui le fait, toujours avec le ghost, on recharge, on va l'aider. Scream qui entre dans l'équation. On traverse aussi au niveau des flowers et c'est un 1v3 pour Nuki. Attention, il faut pique ensemble là pour les Carmine et ça passera. Scream arrivera à aligner au Ghost, très bien, pistol en leur faveur, un pistol franchement qui fait du bien. Ouais, il fait du bien et puis ils n'ont pas eu besoin de faire grand chose. Alors, faut pas dire ça à Shin qui quand même a dû s'imposer alors qu'il prenait un enchaînement de capacité. Pris 2 kills Shin. Ouais, il prend 2 kills, c'est très bien. Et attention, Cassé était prêt dès le début, il y avait 3 joueurs je crois en A, prêts à se battre, à contester. Donc, bon, un pistol un peu insipide de la part des Giants. Il est arrivé vite, il fait MS1. Ouais, et Scream aussi, hein. Ici voilà, en hauteur, sur le muret. Et Niverize, c'était 4. Voilà.
Vraiment, lecture de jeu parfaite. Et la patience de réceptionner ce push des Giants qui n'est pas très convaincant du coup. Flash qui ne touche pas, attention, ça c'est traître, ils sont beaucoup. On aimerait bien empêcher la prise de l'or, mais c'est trop tard. Scream s'en est saisi, il repart. Oh, attention, Shina, il peut avoir une mauvaise surprise. Un petit one tap de club par exemple au shérif, qui pourrait être dangereux. Oh, il avait du monde, on peut s'en aller. C'est suffisant. C'est bien, beaucoup de sang-froid, il court pas. Mm-hmm. Juste pour en faire croire qu'il peut encore être dans le coin. Et du coup, ouais, Giants ont vu l'orbe disparaître. Ils vont jouer groupé et simple pour se donner. Attention à la reprise d'info de Zeich qui va avoir une personne seulement dans ce middle. Et du coup, redirection au niveau de la double porte peut-être. Au contact de la tourelle et d'XMS qui joue au Marshall encore une fois. Ouais, Nuki qui va tenter un timing. Ah oh, voilà. Ce qui va être proposé, la smoke en plein milieu du connecteur. On décale derrière, on peut maintenant s'installer, aller plus loin. Carrément vers le spawn, mais attention au temps, 40 secondes. Est-ce que le but, ça serait pas de faire la jonction en A par ce connecteur, par le heart et par le main? Ça y ressemble de plus en plus. Ouais. Attention par contre, hein. Scream, attention Scream. Oh, le timing, il peut être désastreux, mais non, ça passera tout de même. Côté Scream, il sera casqué tout de même. Hein. Ouais. Prendra 104. Et du coup, on a ping backside, on sait où il est, le joueur d'Arbor. L'avantage du spike, il est fake et Shin peut tenir. Alors, c'était la star, pardon. Oh, attention, par contre, on a bien casqué correctement ici pour Scream. Fitinho et low. On va essayer de récupérer Sheriff et ça a été le cas d'ailleurs. Ok, c'est déjà un 2v3. Attention au Sheriff qui traîne. Heureusement, Nuki n'est qu'au classique pour le moment. Et on y va de manière méthodique pour les casser petit à petit. Premier duel isolé, c'est facile. Fitinho qui se fait arracher. Et Nuki, il y a une tourelle, il y a un dôme, il y a la diffuse, il y a la molo, il ne peut rien faire. Il va tenter, arrache comme ça un petit clic droit. Mais la molo en post-mortem pour la diff, 4 kills pour Scream plus l'orb. Je crois qu'il a un ulti. Il a un ulti. Il a clairement un ulti. Et le problème, c'est que on perd quand même beaucoup d'armes. Hein. On a pu récupérer, il me semble, la bulldog de Shin. Et là, ça risque d'être un peu léger. Hein. Justement, on rend la fantôme. À Scream, j'ai bien l'impression. Ça va être le cas. Mais on peut réinvestir si on voudrait hein, pour la Carmine, tenter un achat. Mais c'est pas. Bah écoute, c'est pas ce qui est proposé. On va jouer avec ce qu'on a. Par contre, bien entendu, nouveau Marshall. Hein. On y verra justement, bon, forcément. Ouais, comme d'hab. La Killjoy Sniper. Donc bon, l'écran toxique, enfin le. La marée haute d'Arbor est mise en routine mid. Ça me rappelle un peu leur map d'Aven hier, où XMS mettait toujours aussi le wall au niveau du mid d'Aven. Ça fait perdre beaucoup de temps sur la prise de zone, les premiers contacts des Giants, voilà, qui commencent à être seulement leur capacité signature. Ils les récupéreront qu'à 20-25 secondes de la fin du round. Ça pourrait les forcer à se précipiter, à être négligents. Surtout qu'ils y vont pas là, hein. Ils pingent un peu les doubles portes, on va y aller. Un drone, la smoke comme d'habitude, comme tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, ils ont des armes. On prend un peu de hauteur, on ne verra pas XMS qui est en train de se barrer. Il y a tourelle d'ailleurs, hein, parce que du coup, on veut peut-être rester dans le niveau de ce Bellink. C'est très long, il se passe pas grand-chose, hein, franchement. Ah, ouais, m'endormir. Hein. Mais attention à la reprise d'infos tout de même. Hein. La Zeich qui prend une bonne information ici, qu'il y a du monde côté Bellink. On a détruit la tourelle, et du coup, ça va être une accélération au niveau de cette art, hein, j'ai bien l'impression. Là, je pense qu'ils attendent, ils attendent du coup un peu le stuff. Cloud va arriver. Sa 30 secondes, par contre, il va falloir y aller. Le dog pour accélérer côté art, les étoiles, backside, une smoke et un pull probablement. Il n'y a personne cette fois-ci, pas de shield. Et la réaction de Scream qui fait tomber deux joueurs avec son ultimate ainsi que le spike. 20 secondes, ils vont devoir se précipiter à coup sûr maintenant, les Giants, sur la fin du round. Bah ouais, il reste 15 secondes, on a pu apporter ce spike au niveau du spawn, mais attention à Fitinho tout de même hein, qui trouve un très bon kill. La molly est bonne, on arrivera tout de même à s'extirper tranquillement hein, pour Woody. Et là il faut faire ce round, one tap ici, ça passera pas ici. Oh ouais, heureusement Nivera qui switch le ghost et qui va pouvoir faire tomber Fitinho, peut-être le bonus pour les casser s'il remporte ce 1v2 face à Nuki qui depuis tout à l'heure est dans le main, il a été très patient, il a sa caméra pour l'info du spike, il va taguer un joueur et isoler un 1v1 qu'il gagne contre Zeiss full HP, il trigger la tourelle, il entend le joueur qui s'approche, c'est bon, Nivera s'impose dans ce clutch et permet à la casser d'y croire avec ce rune bonus. Ouais, Zeiss qui pique un poil trop tôt hein, par rapport à Nivera, mais ça reste ok. On le rappelle, tu l'as dit, un round bonus, donc on remporte ce round très très important ici. Et il me semble que du coup avec ce round, on s'offre un opérateur pour Nivera. Il y a moyen. Après ça va être de l'écho pour Giants, peut-être se sortir un peu plus tard. Il n'y a pas forcément besoin de grid sur une arme trop chère maintenant.
Par contre, là, je commence à être prêt à payer pour voir un peu du B, là, j'en peux plus. Le A split, j'ai l'impression de voir le même rune en boucle depuis trop longtemps, maintenant. S'il vous plaît, monsieur. Ok, nice, il fait plaisir, ce clutch. Ce rune bonus, avec un Nivera, comme d'habitude, habile, solide, on peut compter sur lui. Et pause pour les Giants, bah ouais, ils avaient une belle avance. Eh oui. Et là, bah, leur attaque, elle manque de punch, honnêtement. Bah, c'est ça aussi d'envoyer du stuff à une minute, ouais, du round, et du coup de devoir patienter. C'est ça. Bah, ils sont lents, ils sont méthodiques, mais un peu comme sur le premier side, hein, de toute manière, la défense ne conteste rien pour l'instant. Genre, allez-y, prenez le main, prenez le mid, prenez les connecteurs. Ouais. La défense est vraiment en réception constamment. Et c'est vrai que du coup, cette méthode, cette discipline, bah, elle n'est pas utile pour le moment. Mais voilà, à tout instant, on pourrait avoir un changement de mentalité, un changement de rythme de la défense qui pourrait essayer d'être un peu plus agressive, de contester, de reprendre. C'est vrai que là, ouais, c'est, en fait, le jeu lent n'est pas la solution, je trouve, par rapport à la manière de défendre des Carmine pour le moment. Mais tout pourrait changer. Tout pourrait changer, en effet. En tout cas, c'est l'écho, hein, côté Giants. Forcément, on a perdu le round armé. Néanmoins, alors, Nuki qui décide de se positionner au niveau de la B-rampe. Petite flash au niveau du B-Link. Mais tempête de lame pour Fitinho. Ouais, ils ont pris l'orbe, ils vont aller plus loin, tester Rhyme sur son contrôle. Qui est en train de dissiper des étoiles. En plus, c'est le bon timing pour s'avancer, aller le chercher. Et ça wall, décale, et c'est bien fait, bien anticipé. On s'en fout de l'invisibilité, juste on spam et on déloge Rhyme. Excellente ouverture qui a été trouvée. Par contre, le spike est oublié très très loin. Nuki lui s'avance, ligne par ligne, c'est la tourelle qui va le détecter. Il va l'ignorer, d'accord, pour garder ce Marshall invisible. Les cages sont lancées et on couche Vitino. Pas d'exploit pour la Jet. C'est un très bon kill. En plus de ça, on va même repérer Nuki, lui envoyer un beau deux balles. Attention par contre à Cloud qui décide de sortir et qui va envoyer une très belle praline directement à Nivera. Est-ce que son frère peut le revenge? Et on va pas surjouer. Attention par contre à la Shock Dart, hein. On se doute, hein. Il est vraiment intelligent, Cloud. Ouais, on va quand même pouvoir planter, la molo va arriver un peu trop tard, même si elle devrait faire le taf sur Rudy en grattant quelques points de vie. Et là c'est bon, voilà, par le connecteur on élimine Cloud et je ne crois pas du tout en exploit d'Udi. C'est fait, les anti-échos sont validés pour les Carmine. Ils ont pensé un scénario parfait dans leur défense. Ouais, et on pourrait laisser la diffuse justement à XMS, ça va être le cas, ce qui s'approche tranquillement, hein. Son ultimate. Et là c'est le moment, hein. C'est le moment de revenir. Pour le moment c'est solide ce qu'on propose. Nivera en fixe B qui fait le travail. On a de la ressource en défense. Alors c'est le rôle important maintenant pour les deux côtés. Les outils en effet qui débarquent. Et des cassés qui vont se battre, je crois, qui vont contester le mid. Je vois les flashers qui arrivent au niveau du heart. Et même Nivera qui pourrait intervenir depuis les doubles portes. On y va, flash. Il a un OP1, ouais, c'est pour le pic. Pour l'opérateur. Ouais, il va être patient, il a vu l'arrivée de Sova. Il va attendre pour punir. Est-ce qu'on a un stuff, un drone, un dog, une flash, quelque chose? C'est maintenant qu'il faut du coup de l'application pour ne pas subir cet open kill. Et en final, ils repartent. Ok. Attention par contre, hein, on va avoir un gros duel au niveau du A main. Ils sont les deux en plein milieu par contre. C'est spécial. Là il faut encore une fois du stuff, une flash, quelque chose, ils approchent Scream. On a la même envie sur le même moment, sur cette extrémité, sur le l'orbe, la flash qui part, le kill est impossible, on va s'en aller. Pas vraiment, Zeiss y va, Scream repart, on n'est pas synchro, on n'est pas sur la même longueur d'onde là, au niveau de la défense. Et directement c'est les trackers qui sont investis, mais les Giants n'ont pas vraiment envie d'y aller. Bah là ils ont pris l'information, ils savent qu'ils sont 3. Oh, et Scream par contre il prend un très bon kill, pourquoi pas. Qui traîne et là du coup la direction elle a un peu téléphoné. Et au final, Shin n'a pas bougé du B. Scream est déjà là, pas beaucoup de points de vie par contre. Et Jen, ouais mais Scream il prend un kill, en vrai il a sa molo, il pourra régénérer. Hein. 30 points de vie, c'est pas grand chose, on verra s'il s'en sort. Allez, la division cosmique, elle est cross, le contre-stuff, notamment le pool a l'air d'être excellent. Confinement qui a ajouté Shin invisible, Shin qui en profite avec Nivera, oh oui, Crossfire, excellent boulot. Les Giants, honnêtement, leur side attack ne ressemble à rien pour l'instant. On commence à comprendre peut-être le choix de la Carmine, ils visent une faiblesse de leurs adversaires et c'est de plus en plus visible. Et on voit, hein.
J'ai l'impression que les deux équipes ont pas de jeu en attaque en fait. Mais je, ouais, je suis sérieux hein. Genre on voit des choses très simples, pas particulièrement de maîtrise. La défense, les setups sont ok, mais l'attaque, ouais, c'est lisible, il y a des erreurs. Je sais pas. C'est répétitif. Très bon taf en tout cas de Shin qui a fait son fixe BP à la perfection. Et encore une pause, plus de pause pour les Giants. Ah ouais, mais là par contre c'est vraiment un aveu de faiblesse hein. Bah ouais. Là, on a perdu les deux rounds d'armée de pause tactique. En même temps, là ils ont quand même fait un vol neural qui leur donne l'information et ils se sont dit si on partait par le spawn, ça va le faire. Sauf que bah du coup c'est le backup le plus long possible. Et les cassés ont eu 100 fois le temps de, oui, de se repositionner, de mettre un crossfire backside connector. De mettre tranquillement la division cosmique, tranquillement le pool, tranquillement le confinement. C'est quand même beaucoup d'ulti, faut le comprendre. Derrière, oui, ce round de cassé, il y a quand même eu pas mal de moyens de dépenser. Bon, ok. Mais en réalité, c'est un round important. Hein. Donc faut les envoyer ces ulti. Confinement, division cosmique, tu gagnes du temps. Et surtout, bah là, on force achat pour les Giants. On va pas pouvoir acheter non plus tous les rounds, même si on a un petit excédent pour Fitinho. Et on n'est même pas sur un temps fort, donc finalement on est quasiment à l'équivalence hein, côté Carmine. Quand tu les vois, Shin il est déjà proche de sa division cosmique, donc il a la moitié quasiment. Zeish il s'approche en plus de ça des trackers. XMS l'ulti aussi, donc c'est franchement ok. Il va pouvoir punir peut-être enfin, va-t-il être récompensé de cette patience. Sans l'extrait on voit le bout qui dépasse et c'est trop facile pour Nivera qui n'a qu'un saut à faire pour se mettre safe. Open kill, facile. Il a tué l'homme fort des Giants, donc c'est une bonne chose, plus de Sova. C'est un problème de moins. Et d'ailleurs, on joue absolument le A en retake. On joue très très fort cette art par contre. Alors le dog il est côté art et on s'infiltre côté double port dans le même temps. Mais ça ne trompe pas la vigilance de Shin pour le moment, qui a l'air de se douter, qui tente des travers, jamais très loin de ses adversaires. Et maintenant ils sont installés. Et même Scream a compris que c'est plutôt du côté des doubles portes que ça se joue. Le duel est important, il est perdu par le joueur belge. Et on reste très lent, très méthodique côté Giants pour finir en B. Ouais, mais le problème c'est qu'Nivera il s'est replacé hein, avec cet opérateur. Il va falloir décaler sur une flash. Smoke, fake smoke. Ah, la smoke osmone est bonne. Oh Shin. Il ne faut pas intervenir et Shin se fait déborder. On traverse pour Nivera, il arrive encore à sauter en dehors de la vengeance potentielle. Zeish arrive un tout petit peu trop tard, mais il y a encore un Rem qui lui tourne le dos. C'est peut-être un kill facile pour lui. Rem qui arrive derrière lui, c'est bon. Zeish remporte le 1v1, très important. Attention à Nivera, peut-il encore faire plus? Non, les 5 points de vie se retournent contre lui, 2v2. Ouais, 2 contre 2, hein. XMS et Zeish pour faire la différence. XMS est repéré, il a vu les deux, hein, il me semble. On sait qu'il y a personnel beau. Allez, on va envoyer la bulle. On va fake l'amorçage. On décide de décaler large, on décale ensemble, mais ça passera pour Nuki. Spray transfert pour bah, offrir un peu d'air, hein, ouais, finalement, à ces Giants. Très très lent, hein, les Giants qui ont subi l'open kill au niveau du mid. Mais ils se disent, l'opérateur de Nivera, il va jamais rester double port. Du coup, ils y vont en faisant un petit fake du côté de l'art. Et c'est surtout le kill de Hoodie sur Scream hein, qui leur permet d'y croire et d'accéder au site. Et sur Shin aussi, hein. Shin qui ne fait pas de kill sur son fixe BP. Ça a été notable. Mais j'avoue que, enfin, je sais pas, c'est une des peurs les plus étranges qui m'a été donnée de commenter. Au niveau du rythme, surtout, tu vois. Genre, c'est vraiment très syncopé, quoi, les phases de jeu. Alors, fait la phase d'agression middle sur une flash, mais ouais, la reveal oblige directement à annuler toute agression. Ouais. Malheureusement. En tout cas, Rhyme a sa division cosmique. Zeish s'approche des trackers. XMS a aussi un kill hein, de son ulti. Et d'ailleurs, Nivera a réinvesti hein, sur cet opérateur. Par contre, il a changé de position. Il va jouer en A. Il pourrait y avoir justement un petit Nuki sauvage hein, apparaître. Ils sont bien à côté de double porte. Ils sont bien. Les cassés. Avec Zeish et XMS. Qui va se mettre dans la smoke de ses adversaires et là on peut cette cross peut-être sur un pool, sur une flash. Non, ça suffira pour l'instant à repousser les joueurs et le dog va comprendre qu'il y a quand même pas mal de monde hein, au niveau de ce mid. Il est détruit. Ouais, il avait personne en plus, hein. Donc il y a personne dans ce B-Link. Et Nuki avec son Cypher qui fait franchement une bonne game et ça va être un retour A sur l'opérateur de Nivera. Ouais, encore. Sauf que là, cet angle, on sait qu'il est souvent anticipé. Et Scream qui se rapproche sur le même timing. On va voir comme tout à l'heure, j'ai l'impression, une reprise conjointe des deux équipes. Sauf que c'est du 2v4 virtuellement sur la zone. Et l'open kill pour Nivera, ça paye pour Scream et qui se rate. XMS tient au niveau du lurking de Nuki sur le double port. Oh non, rattrapé par la patrouille, un bon pull. Fait qu'il ne pouvait rien faire. Oui,
Néanmoins, XMS a pris le kill de coupe hein, sur Nuki. Et attention par contre, Fitinu qui décide de sortir. Il est totalement blind, il va pouvoir dash out. Et il est encore stun. Mais il arrive à s'en sortir. Il est aidé par Oudi qui va faire le double kill ici en spray transfert. XMS tout de même par contre qui enchaîne. C'est un 1 contre 1 à négocier pour XMS. Il s'est bien placé là, il s'est très bien placé, c'est un pur 1v1. Il a encore son doom pour le spike, il faut l'investir et forcer Rhyme hors de sa cachette. Voilà, il met, il touche et là Rhyme doit s'approcher. XMS qui fait la moitié, qui tient, qui ne s'arrête pas, qui continue et qui désamorcera. Du seul trait, ça passe ou pas? Oui, ça passe pour les quartiers, c'est ça, le 9ème point. J'étais pas sûr, franchement c'était tellement joué sur le même timing, j'ai eu très peur. Et puis bon, comme il y a des gens qui crient, on sait pas vraiment qui crient. Ouais, 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 c'est ça, c'est du 1v3 en tout cas pour XMS, 1v3 qui a, qui a le sang froid pour maintenir la diffuse de son tête. Allez, il s'accroche, il se rapproche, 10 à 9 mine de rien là-dessus. Ouais, hein, clairement, mais Oudi, quel travail d'Oudi! Ouais, qui couvre Fitino, mais après ce perso, Jet, t'as vu, il est stun, il est flash, il est repéré, smoke, dash out, il peut faire tout ce qu'il veut. Ça passe. Alors, dans la main, on y retourne côté Jens qui continue d'acheter, de forcer. Ce round l'aura fait mal quand même, il faut pas se mentir. Ouais. Et clairement. Au moins, pu prendre possession de cette extrémité, ok. Ouais, hein. Par contre. Plus d'opérateurs sur Nivera, on est proche de venir égaliser. Et là, bah, on a les ultimates à disposition, hein, tout de même, hein, les trackers pour Zeish. On les voit arriver petit à petit, mais Oudi a les mêmes forcément avec son round, le round précédent. Côté Art, une flash, y'a personne. On va attendre la smoke probablement et déclencher sur ses trackers. Allez, XMS à gauche, Zeish en face. Contre-dog d'ailleurs, c'est pas mal, mais il se fait mais il compte tout droit. Il contre-tracker, il est spot par la reveal, il ne peut absolument rien faire par l'enchaînement des capacités des Giants. Et rotation, tous par le spawn là pour la casser. Ouais, c'est Oudi l'entrée, j'ai l'impression finalement de cette équipe, il a couru littéralement tout droit. Ouais, c'est clair. Et là on voit une situation qu'on a énormément vue sur le premier side, c'est-à-dire ouais. Des attaquants en post-plante par le main, par le heart. Scream qui va toucher pour trigger le pool, le dôme déjà détruit, ça c'est une mauvaise nouvelle pour Carmine qui n'a plus de protection maintenant pour essayer de désamorcer son spike. Ouais, mais il y a Nivera. Nivera c'est peut-être la seule protection qu'il faut. Une smoke désormais pour retoucher. Oh, oui, Scream, Shin, ils font tous des duels les uns après les autres et ce trade à l'infini. C'est un clutch désormais pour Cloud qui se fait un peu gêné par cette mono. Il décale, fait le premier, le spike transfert à travers la smoke triplée de Cloud qui répond au 1v3 d'XMS avec son propre 1v3 désormais. Oh là 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 là. Et il sera, regarde-le, pas une goutte de sueur sur le front. Cloud ? Non. Le surprendre en assassin. Qu'est-ce qu'il vient de mettre là ? Avec la molo en plus qui le force à décaler contact. Elle est trop profonde la molo malheureusement. Hein. En fait il aurait pu même casser carrément la ligne. Oh le ce kill là il est. Coup, perspective des avantages mais il décale large et il trouve le shot et là. Enfin, c'est fort. C'est très fort ce qu'il a fait. Un petit sourire quand même, il a des émotions. C'est rassurant, ça reste un être humain. Pause tactique, Carmine, forcément, les Giants non plus. Et c'est la dernière. C'est possible, moi, je crois. Avant l'overtime. Il y a moyen. On n'en a plus là, on a fait deux parties. On a tout dépensé. Et ouais, c'est quel dommage, hein, quel dommage. Nivera, Scream qui avait remporté les duels les plus importants quasiment. Ouais. Et c'est un quoi, un 2v4 qui se fait retourner un v3, encore une fois sur la fin. C'est les clutches là, c'est les exploits individuels qui d'un côté comme de l'autre commencent à prendre le relais sur le jeu d'équipe. On sent hein, quand même hein, qu'il y a, il y a de la bagarre. Les deux équipes sont au coude à coude, très serré, il y a pas mal de pression. Bah là, c'est clair que la tension commence à monter un peu. Mais j'ai du mal à savoir sur qui elle est, tu vois. Est-ce qu'elle est sur Giants qui menait et qui maintenant galère à finir? Ou pour Cassé qui se dit on a quand même pas fait tout ça pour en finir maintenant. Ouais. Et là l'écho, j'avais pas forcément vu Cassé est en écho. Ils doivent quasiment laisser le 12ème point là. C'est sauf exploit. Sauf exploit individuel, notamment Scream hein, qui va pouvoir s'infiltrer pour la première fois. Flash à droite. C'est dangereux. Mais il est en anti-flash, Oudi. Il est anti-flash, ouais, il n'attend que ça. Une mollo peut-être. Mollo à droite, flash, il y va sur l'ultimate. Flash. Et c'est dodge. Et c'est un massacre dans ce middle. Deux joueurs perdus. Fin de l'ultimate pour Scream qui se fait trade une fois de plus. On a tenté l'économie. Ou le force buy, j'avoue que XMS est quand même à 200 crédits. C'est même pas clair économiquement.
Et pour l'instant, en tout cas, c'est surtout raté. Et Nuki, lui, n'a pas hésité. Ok, vous agressez le middle, je prends mon main et il est déjà dans le dos. Ah, il est focus, hein. Et là, il va trouver deux joueurs, hein, parce qu'on reprend, on va aller chercher des armes. Voilà, XMS, il va récupérer une arme. Zeish également. Et là, voilà, c'est un récupéré pour Nuki. Et là, du coup, on a l'information, on sait que c'est totalement free en A. PP, amorçage, XMS qui a pour mission de quoi, à vrai dire. Spike planted. Ouais, il peut juste aller chercher son ulti. Rien. Ou save, c'est vrai qu'il a 200 crédits, donc il a absolument besoin de son arme. Je me demande si Nuki a pas entendu peut-être la chute de l'arme au niveau du mid, je crois pas, mais on ne sait jamais. Il devrait être tranquille jusqu'à l'explosion. Et donc voilà, Cassé n'a plus de joker désormais, ils doivent mettre 3 runes à la suite pour aller chercher un overtime. Ouais, du coup il est repéré, on va pouvoir partir à la chasse hein, pour les Giants. Malheureusement. Beaucoup de zones à clear tout de même. Mais le temps file. Ouais, ça devrait aller pour XMS, c'est bon. On entend l'explosion du spike. J'ai bien aimé quand même qu'ils essayent d'agresser. Le mid a été vraiment très tranquille depuis le début. Oui. Giants était habitué à avoir cette, smoke de Harbor, mais jamais de personne derrière pour tenter quoi que ce soit. Donc le tenter enfin, c'était pas mal, mais on voit que les Giants se doutaient en fait. Surtout après la pause tactique, ils se doutaient et l'anti-flash de Woody aura quasiment tout changé à l'agression. Et là malheureusement, bon, on peut racheter, hein, voilà, on sera armé pour la Carmine. Mais on perd la revanche de Scream, on a tout de même la division cosmique et le confinement hein, à disposition. Mais confinement qui risque d'être nullifié tout simplement par l'ultimate de Cloud. Alors, les cascades sur le middle, on veut tenir l'art pour le moment. Du coup, si Bart et Smoke, on va prendre les doubles portes. Ou, Nivera arrive à détruire pour l'instant. Et je crois qu'on a quand même vu le robot d'alarme. On essaye de mettre des flèches, mais c'est un peu court. Ça ne suffira pas à choper ce petit gadget de Killjoy. Alors, drone rapace, forcément prise du Belink. Et c'est Woody qui avance en tout premier. Hein. Il a envie d'en découdre. Hein. C'est ça que Fitino est pas forcément dans son job de passer premier. On fait pas des phases autour de lui en fait. Oui. Les open kills comme l'a pu voir hier hein, dans les différents matchs. Avec des dashs, avec des choses qui se passaient sur le Yoru notamment. Je pense à Heretic qui au moins faisait cet effort, tu vois, de faire des phases autour du dueliste. Là, c'est absolument pas le cas. 40 secondes restantes, Woody qui casse la tourelle en B, est-ce que ça fait paniquer? Non, Carmine ne bouge pas, c'est trop moyen comme pression et il y va du coup Woody. Mais ses potes font de même au niveau de l'art et c'est Zeish. Escrime à la réception, Zeish le premier, le deuxième Escrime, le crossfire parfait. La phase des Giants est beaucoup trop minimaliste. Quoi? Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Bah ils ont rien fait en fait. Ils ont détruit une tourelle. Détruit une tourelle et marché. Marché art. En espérant que la simple présence de Woody suffise à faire bouger complètement Carmine. Et complètement téléphoné leur phase là. Et non, ça passera pas pour ce coup pour Giants. On se rapproche pour la Carmine. Plus que deux avant l'overtime. Ouais, je ne change pas d'avis. Le match est bizarre. Le match est très étrange. On a des équipes en attaque qui... manque de maîtrise en fait, manque de maîtrise, de variation. Et là franchement, les Giants qui marchent partout, ça ne trompe personne je pense, au niveau de leur préparation et de leur niveau sur cette map de Pearl. Bon, en tout cas, on avait un bon side défensif quoi. Ouais mais simple encore une fois, si on s'en souvient. Ouais, ouais. En réception, des bonnes retakes. Voilà. Mais l'attaque est quand même plus dure à organiser, à improviser. Encore une fois, si on parle d'une équipe qui n'a pas travaillé la carte, pas particulièrement, en défense, tu peux faire illusion, en attaque, c'est autre chose quoi. Et Yuki qui continue, comme d'habitude, du travail. Allez, on a repéré la tourelle. Qu'est-ce qu'on va faire hein? XMS est au contact, hein. Mais le drone rapace l'aura avant. XMS, ouais, qui va te détecter, qui décide de quitter les lieux. Et il est entendu surtout. Ah ouais, on va casser la tourelle, mettre une pression B. Et Cassé qui perd une zone, qui en récupère une. Ça sera le A-Main, j'ai l'impression, en duo. Donc pour l'instant, c'est pas forcément le bon call, puisque Giants a l'air de vouloir aller en B, enfin, sur Nivera et son confinement. Et ils ont de quoi le gérer avec Cloud, qui doit absolument rester en vie.
Ouais, le problème c'est que là, Nivera il va être un petit peu acculé. Hein. Voilà, on va envoyer, il faut lâcher la zone. Cloud qui porte le spike, donc ça va peut-être casser confinement, mais en tout cas au niveau de l'amorçage du spike, ça va vraiment délayer tout ça. On va arriver sur la fin des smokes, on le donne à la Astra pour avoir l'ultimate, c'est un petit détail comme ça, mais qui pourrait avoir son importance. Parce que dès l'amorçage, bam, forme astrale, division cosmique, et la reprise arrive par les doubles portes. Ouais, et le problème c'est que du coup c'est entendu, hein. Nuki est déjà en position, la chef d'art pour gagner du temps, mais on va pas être naïf pour Shin qui trouvera le kill. En plus on envoie la molo, Cloud se baigne dedans là, il va tomber en plus de la molo de Scream. Il a essayé de rester jusqu'au dernier moment, hein. Ils peuvent le faire peut-être. Ce back ça doit être dézoné, mais on tient du tête Fitino qui se laisse attirer. Et Audi fera pareil depuis la longue run. Fera son petit kill aussi, il vient de compenser pour revenir sur un 2v2. Fitino est toujours là, toujours dans le dôme de XMS. Il voit le gun qui dépasse à gauche, mais il ne panique pas. Les flashs pour le backside, l'arrosage est là, mais Zeige s'impose. Et là, le move de Fitino, on l'anticipe et on le décale du côté d'XMS. Parfait, la diffuse devrait passer pour les Carmi. Très bien joué. Hein. On a cru, hein, que Fitino allait faire le move. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Plus qu'un pour la Carmine et on part en overtime. Décidément, cette Pearl nous garde encore pas mal de surprises. Ouais. Et là, la Cloud, ouais, la Moléo. En fait, Cloud veut bait pour Nuki, mais c'est grossier. Nuki est isolé, décalé. Et après, il se dit, bon, je vais rester le long du mur, je peux tanker un peu la molo, et c'est trop tard qu'il se rend compte que non, la molo de Phoenix, elle fait très mal, hein, elle tabasse, tu peux pas rester à l'intérieur, un peu comme les molos de Viper, par contre, hein, qui sont un peu traîtres de cette manière. Et au final, j'ai eu peur sur Fitino, entre autres, qui avait fait un move plutôt smart, mais grâce au kill de Zeish, on sait qu'il est plus backside, et donc s'il est pas backside, c'est ce qui était spawn, donc très bien fait. Un dernier round, c'est l'overtime dès cette première map du BO pour les casser. Et changement de position, tu vois, un larmbot au niveau du B-Link qui est... On joue le mid hein. Pour Nivera, il est accompagné de Zeish et surtout XMS il joue seul au niveau de la hauteur en B. On veut jouer retake. Néanmoins Zeish a pris pas mal d'informations, hein. Justement il a repéré Cloud. Normalement, Cloud il joue pas tout seul, on sait qu'il y a du monde. Et on repartira sur un speed B. Allez, le B. Cette fois-ci, on va peut-être agir différemment l'amorçage. On va pouvoir planter plus tôt. Sauf que Spike est encore loin en fait, le Spike est au bout de la longue, j'ai peur que les smokes disparaissent. Il y a un problème d'exec. Là, regardez, heureusement on a des cages. Voilà, on met quelques cages pour essayer de planter, on n'arrive pas à empêcher Nuki de planter en plein milieu. Peut-être un post-plant plus classique à venir pour Giants. Ouais, mais attention, on a une revanche hein, pour Scream. Il va aller clear, il peut aller clear tout l'elbow. Et justement, il va y aller, il a repéré en plus de ça un joueur. On va envoyer la petite flash, on va sauter, mais c'est Cloud au niveau du Belling qui trouvera le kill. Et là du coup on va essayer d'y aller dans un second temps, ça smoke le B-Link, ça essaie de sortir au niveau du spawn, la flash est là. Il faut y aller sur ce backside, il faut y aller, il est resté en vie, il arrive à en arracher un avec un couteau juste avant de tomber. Nivera trade, il faut toucher ce spike désormais, mais il va y avoir un premier post-plant, il va y avoir aussi un peu de tir maintenant à travers les smokes, c'est bon. Rem est sorti, mais Audi, le triplet depuis le B-Link, enfin trade par XMS qui s'offre un 1v1, il met l'ultimate dans les pieds de Nuki, il sait. Nuki est derrière le pilier, Nuki décale et s'impose en travers mur. Au bout du suspense, les Giants finissent par s'imposer. Ils finissent en effet, mais qu'est-ce que c'était dur pour les Giants. En tout cas, ça fait 1-0 sur la carte de la Carmine. Écoute, Weeper, je te propose qu'on aille en discuter sur le canapé avec Ita et Hero. On se laisse pour une courte pause, mesdames et messieurs, à tout de suite. Mesdames et messieurs, après cette tentative de remontada, ça ne suffira pas à aller chercher la carte de Pearl pour le Blue Wall. C'est bien évidemment Giants qui va s'imposer. On le voit ici, hein, récapitulatif de scoreboard. Bon,
On a envie de dire dommage, hein. C'est vrai qu'il y avait quand même un sacré score à l'alf, messieurs, déjà infligé par Giants, qui en défense ont vraiment été extrêmement solides au global. Ouais, bah, les retakes. Enfin, après, on réussit à passer sur le BP à quasiment tous les rounds. On amorce le spike, je crois, à tous les rounds pour Carmine. Et on arrive à le tenir, je crois, une fois ou deux seulement pour Carmine. Et les retakes, à chaque fois, passent pour Giants. Et les situations s'inversent. Et c'est, j'ai envie de dire, plus ou moins la même chose, Weaver. Oui, Pierre, tu voulais faire peut-être un constat, notamment sur le side d'attaque des deux équipes. Ouais, bah, c'est vrai que je suis très déçu du niveau en attaque des deux équipes, en fait, parce qu'on est quand même sur, il faut se le dire, du top 6 Europe, grosso modo, du top 6-8. Et là, on arrive sur Pearl, qui a été choisi par une équipe qui n'a pas été veto par l'autre. Et l'attaque, les deux sides d'attaque, c'est d'un vide total, quoi. Entre Carmine, qui fait que des splits A, du B très timide, on n'a pas vu de variation, pas de lurk, pas de fake, pas de redirection. Et Jen, c'est pareil, on est lent pour rien. On a des contrôles qui durent 1 minute 10, on travaille à peine la map, on met à peine la pression. Et des fakes un peu télescopés, quoi. Exactement, ils sont complètement rides à 10 km par les Carmine qui, du coup, s'accrochent et du coup, ils croient. Mais voilà, il faut au final des call B pour terminer, quoi. C'est des call B de la part des Giants qui finissent par avoir un post-plan de descent. Il faut quand même un clutch de Nuki, il faut quand même des clutches aussi de XLS Cloud d'un côté, de Cloud de l'autre. Et c'est vrai que c'est une map qui était assez insipide, en tout cas de mon point de vue en tant que commentateur, parce que vraiment l'attaque n'existait pas, quoi. Effectivement, ouais, Cloud hein, qui ressort MVP de cette rencontre, puisqu'il a la famille, ce fameux 1v3 qui, je pense, redonne un second souffle à Giants. Qui avait déjà engrangé quand même pas mal de rounds. On avait la remontée Carmine qui arrivait à faire des retakes plus que décentes, mais il y a ce fameux 3 triple kill qui passe pour Cloud en post-plane. Cloud qui repart et, bah, comme prévu, héros. Hein. Cloud qui fait une game extrêmement décente avec aussi un Ookie qui était en place, mais ça rejoint ce que tu disais notamment au pré-show. Oui, bah, c'est pas pour rien qu'on l'a mis en avant au pré-show. Voilà, c'est le meilleur joueur de l'équipe, il le montre. Là, voilà, il a des stats plus que décentes. Hein. Je crois qu'il était un truc comme 170 d'ADR. C'est le meilleur joueur de l'équipe. Il y a le clutch, il est bon dans tous les compartiments de jeu. Donc, oui, Cloud, meilleur joueur. Très bien, messieurs, on va pouvoir passer à la prochaine carte. Il sera, il me semble, Lotus, il me semble. Non, c'est Split, pardon, mais bad, c'est Split. Split et Decider Lotus, il me semble. Oui, c'est ça. Voilà pour du coup le post-map entre Carmine et Giants. On espère évidemment que Carmine va réussir quand même à passer au-delà et reset Pantal. C'est ce qu'on leur souhaite. Nous, on se quitte pour une petite pause. On revient évidemment après pour Split. À tout de suite.